Voilà, donc on commence par réviser les sons. Hein, vous vous rappelez? Donc celui-ci, si l'enfant ne se rappelle pas, on commence toujours par ça, par montrer cette lettre-là. Si l'enfant ne se rappelle pas, on retourne. Ah oui, c'est avion. A. Et on y va. On continue avec le deuxième. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Si je ne sais plus, je retourne. Hop! Ah oui, on a décidé. Euro. Euro. E. Et on le trace. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Si l'enfant sait, il le trace, c'est bon. Il le connaît. Parfait, et on passe au suivant. S'il ne le connaît pas, on retourne. Et, maîtresse, il manque l'accent. Et, échelle. Oui, c'est et donc. On continue. Et, voilà, vous avez compris comment on faisait cette fois. On finit. Ou bien voilà, tous les sons qu'on a déjà vus. On va continuer aujourd'hui avec le l. Toc. L, l. Alors le l. Voici le l en majuscule, hein, et ici on a le l en script. Et il est coquin parce qu'il ressemble vraiment trait pour trait au i majuscule. Donc si la lettre est en majuscule, ce sera un i, et si la lettre est en minuscule, en script, ce sera un l. D'accord? Donc ça, il faut y faire bien attention. Alors, moi j'ai préparé le matériel, je vous retrouve juste après pour la suite de l'abécédaire. Voilà, j'ai tracé la lettre en cursive ici. Les parents, je vous rappelle que ça, c'est vous qui le faites, parce que c'est une référence pour votre enfant, donc il faut que ce soit vraiment bien, bien fait. Hein? Et on y va, celui-ci s'appelle voilà, donc on retourne. Hop! On a collé le L en majuscule, le U en minuscule et on a tracé le L en cursive, en attaché. On a collé le petit mot qui commence par L et celui-ci c'est un livre qu'on a écrit ici en majuscule, qu'on a écrit aussi en minuscule, en script et qu'on a écrit ici en attaché. Ça, les parents, c'est vous qui écrivez. L'enfant va colorier votre petit dessin et vous allez l'aider à chercher dans les journaux, dans les catalogues, dans les publicités, dans les emballages, les lettres L, différentes sortes. Ensuite, vous envoyez chercher votre enfant dans la maison. Il doit trouver trois objets qui commencent par L. Je me mettais sur pause. Allez, vous allez chercher les enfants. Voilà, c'est fait. Donc, moi, j'ai trouvé les lunettes et lion. Voilà. Donc, les enfants, les grands en tout cas, vous allez proposer une écriture des trois mots que vous avez trouvés à vos parents et vous allez les écrire au fur et à mesure. Par exemple, ben, les, on entend l, et on écrit ça. L, et on peut aider son enfant s'il hésite sur certains sons. Mais en tout cas, on essaye de les faire chercher, les faire trouver eux-mêmes ce qu'ils entendent. C'est important que ça parte d'eux. Lunettes, qu'est-ce qu'on entend les enfants au début de lunettes?
Voilà, et vous faites ceci pour les trois mots qu'il a trouvés avant de les écrire. Voilà, les mamans, les papas, vous avez fait le modèle d'un côté en majuscule pour les moyens. Les petits, vous pouvez écrire un des trois mots, vous en choisissez un et vous l'écrivez sur le petit trait que le parent a tracé à côté. Pour ceux qui écrivent en attaché, ben on se lance. Allez, hop, les, on le recopie ici sur le trait à côté. Voilà. Pour l'instant, l'objectif, c'est que l'enfant touche le trait du bas. Alors, voilà pour l'abécédaire. On se retrouve plus tard.